Oui, David, vous êtes payé le luxe de saluer la foule là, ici à Cabourg ce soir. Bah ouais, on a eu un super parcours. Non, tout bien, le cheval était vraiment au top. Oui, il était sur ressort et voilà, super parcours. Parfait. Ouais, vous le connaissez par cœur, c'est la course vraiment à ne pas louper ce soir, même s'il y avait quand même ce numéro en deuxième ligne. Bah voilà, mais on n'était pas beaucoup, j'étais pas trop en dehors. Et puis non, le cheval est parfait, c'est un vrai droitier, donc tout était réuni pour qu'il fasse vraiment une bonne performance. Il sort d'un dos comme ça, il est redoutable. Ouais, il va très vite. Hein. La petite jument devant nous, elle n'a pas eu la tâche facile, mais elle n'a pas démérité. Mais moi, j'allais vraiment facilement. Ouais, vous avez longtemps hésité, c'est ce que me disait Franck Pinchina, votre agent, entre Faradeco et Elvis du Vallon, hein, deux chevaux de cœur quand même. Bah ouais, ça se passe bien avec eux. Après, il fallait faire un choix. Elvis, je l'ai suivi toute l'année dernière. Donc voilà, je suis resté sur Elvis, c'est bien fait. Expeditious, est-ce que ça peut bien se passer, lui qui reste sur une bonne deuxième place ici même dans le quintet ? Pour en la distance, mais avec un bon parcours, il a sa place dans le quintet. Ouais, il n'a pas grand-chose contre lui avant le coup quand même. Non, mais ça va. D'accord. Et puis rapidement, votre pouliche, Yalta de Vandel, est-elle suffisamment prête pour ce soir ? Elle est pas mal, elle est déférée des 4. Pareil, deuxième ligne, mais c'est pas très grave, elle peut approcher une place. Ouais, c'est une bonne retire. Très bonne. Merci David.